من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges appartiennent à Allah, c'est l'unique. J'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. On poursuit inshallah les signes de la fin des temps, nous wasil durusana hawla silsilati ashrat as-sa'a. Wal an inshallah sanatanawalu alamatan jadidatan ala wa hiya نزول المصائب وتمني الموت أو تمنى الموت. Aujourd'hui, inshallah, on va voir un nouveau signe de la fin des temps. Bien sûr, quand on dit les signes de la fin des temps, nous sommes dans les signes intermédiaires de la fin des temps. Et parmi ce signe intermédiaire, c'est le fait de se souhaiter le malheur ainsi que la mort. Se souhaiter le malheur ainsi que la mort, c'est un des signes de la fin des temps. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه يا ليتني مكانه وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Abu Huraira, il a dit l'heure ne surviendra que lorsque, l'heure, c'est-à-dire la fin des temps, que lorsque la personne passera à côté d'une tombe ou à côté de la tombe d'une autre personne et il dira « Malheur à moi si seulement j'étais à sa place. »« Malheur à moi si seulement j'étais à sa place. » Dans un autre hadith, toujours selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a été dit ce qui suit « Walladhi nafsi biyadihi » Le prophète sallam, il a dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains » Et là, il a juré, le prophète sallam, il a dit « La tadhhabu dunya » Cette dunya-là ne partira pas tant que l'homme passera près de la tombe d'une autre personne morte et il aimerait être à sa place. Et il dira « Malheur à moi si seulement j'étais à la place du demeurant de cette tombe. » Naam. Et il n'aura pour religion qu'épreuve. Qu'est-ce qu'on retient de ces hadiths? Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Hajar? Ibn Hajar, c'est celui qui a fait Sharh de Bukhari. Il a dit dans le Fath, « Hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fayaqul ya laytani makana ay kuntu mayyitan ou makanahu yani fil maut. » Ibn Hajar, il a dit, ceci veut dire, si seulement j'avais été mort comme lui, il est mort. Les questions qui restent à se poser, après qu'on écoute ce hadith, c'est 1. Pourquoi c'est un signe de la fin des temps? Le fait de se souhaiter la mort. 2. Sous quelles conditions se souhaiter la mort est quelque chose que le prophète sallam a réprouvé? C'est-à-dire, sous quelle forme se souhaiter la mort, subhanallah, c'est visé dans le hadith. Parce qu'il y en a, ils vont souhaiter la mort peut-être parce qu'ils en auront marre de cette dunya, et ils voudront se suicider, ou encore parce que les épreuves de cette dunya et les fitnas seront tellement importantes que la personne voudra être morte et n'aura pas préféré vivre en plein milieu de ces fitnas, de crainte de perdre sa religion. Ou tout simplement, est-ce que le hadith signifie que le fait de se souhaiter la mort, ça veut dire le fait d'être pressé de rencontrer Allah? Et enfin, quel est le jugement de se souhaiter la mort, religieusement parlant? Donc ici,
Ibn Hajar l'a dit une parole très belle en explication de ce hadith. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَتَمَنِّ الْمَوْتُ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ إِنَّمَا هُوَ خَوْفُ ذَهَابِ الدِّينِ بِغَلَبَةِ الْبَاطِلِ وَأَهْلِهِ وَظُهُورُ الْمَعَاصِ وَالْمُنْكَرِ وَلَيْسَ هَذَا عَامًا فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ وَإِنَّمَا هُوَ خَاصٌ بِأَهْلِ الْخَيْرِ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَدْ يَكُونُ لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه وأهله أو دنياه وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه. Il a dit une très belle phrase, Ibn Hajar. Il a dit quoi? Il a dit, le fait de se souhaiter la mort dans ce hadith, c'est par rapport à la période dans laquelle cette même personne que le prophète sallam a parlé, eh ben, elle vivra une époque très difficile dans la tentation. ظهور الفتن. Et comme vous savez tous, l'apparition des tentations, de zizanie, de troubles, ça fait partie des signes de la fin des temps. Ça sera tellement important, tellement concentré, que lorsque la personne passera près d'une tombe, elle dira « Si seulement j'avais été mort, en d'autres termes, pour que je puisse être préservé ou préserver ma foi contre cette période de troubles, afin que je ne tombe pas dans ces périodes de troubles ou dans ces tentations-là. » Tellement que le trouble y sera manifeste à ce moment-là. Et aussi, c'est aussi général. Yani, subhanallah, yani, c'est pas général plutôt à toute personne. Quand le prophète sallam dit jusqu'à ce que l'homme se souhaitera la mort quand il passera près d'une tombe, c'est pas général à toute personne, c'est uniquement restreint, ce hadith-là, comme il a dit Ibn Hajar, Nawawi et d'autres, c'est restreint à la personne du bien, du khir, celle qui aime le khir. Celle qui aime avancer, celle qui aime aider, celle qui aime se soumettre à Allah, celle qui aime conserver ses valeurs, etc. Cette personne-là se souhaitera la mort parce qu'elle vivra une période de trouble autour d'elle, craignant ainsi que quoi ? De perdre sa foi à cause de cela. Voilà ce que veut dire le hadith. C'est pas n'importe qui va passer devant une tombe et va dire ça. Aujourd'hui, tu prends un kafir, lambda, qu'il y a une situation normale, il passe à côté de la tombe, il la fuit. Il dit, oh non, moi on ne parle pas de la mort. C'est les gens du bien. Parce qu'ils ne supporteront plus la situation dans laquelle ils vivent. Comme il a dit Ibn Hajar al-Asqalani, ça touchera leur être, leur famille, leur dunya, leur vie en général. Et ceci parce qu'ils étaient attachés à leur religion. Et il dit aussi, وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. Ibn Hajar l'a dit, tellement la fitna, la période de trouble. Et rappelez-vous des hadiths de période de trouble. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam? يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بغرض من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال قطع كقطع الليل المظلمة. قال لك الفتن هذه تأتي كقطع الليل المظلم. الليل المظلم وشنو قطع الليل المظلم؟ تعرفون ايش هذا؟ شوفوا القمر بكري كيفاش كانوا يعملوا، يعني كانوا سبحان الله والقمر يعني يتخذون القمر دليلا في طريقهم وسيرهم. لكن هذا القمر أحيانا يغيب على جل الغمام وتصبح الليل مظلمة، ما تشوفها ما كان لا ضوء لا والو، هذه كقطع الليل المظلم. وساعة ساعة الغمام تروح وتولي القمر، هذه كقطع الليل المظلم. تسمى تلمو مظلم ما تقدرش تصور وما تشوفش الطريق تاعك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتخلط الباطل مع الحق. قل هذا حق ولا هذا باطل، ما فهمت والو انا. هذه هي الفتن. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وعكسا. قال البروفيس صلى الله عليه وسلم حديث دو الفتن. Ça faisait partie de la fin des temps. C'est quoi les fitan? C'est les troubles. Quelque chose de trouble. Quelque chose de trouble, c'est quelque chose dans lequel tu n'arrives pas à lui donner une approche cohérente par rapport à ta foi. C'est ça la fitna. Et tu ne sais pas si c'est bien ou pas bien.
Et quand tu rentres dans cela, tu vois que ce n'était pas bien. Et que le vrai, il est mélangé du faux, etc. et vice-versa. Dans le hadith, le prophète sallam, il a dit, il y aura des périodes de tentation, de troubles pour la communauté, et ça fait partie des signes de la fin des temps. Et il a dit, l'homme se réveillera le matin croyant, et le soir, il sera mécréant. Et vice-versa, le soir croyant, et le matin, il se réveillera mécréant. Il vendra sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. C'est un des signes de la fin des temps. C'est-à-dire son dîn, il le vend. S'il faut le vendre, il va le vendre. Il n'y a plus de valeur spirituelle, il n'y a plus de valeur religieuse. S'il faut que j'acquière quelque chose de la dunya, je vends mon dîn. Et ça existe aujourd'hui. Beaucoup de personnes, pour obtenir un bien, ils passent par ce qui est haram, l'illicite. Rishwa, par exemple. Les pots de vin. Il suffit de voir les pots de vin. Juste pour acquérir quelque chose, une maison, un appartement. Il va glisser des billets et il va dire, tiens, fais-moi passer moi le premier dans la commission et comme ça il passe plus le premier et puis voilà. Combien de personnes y vendent leur religion alors que le rishwa, c'est haram les pots de vin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, La'anallahu al-rashi wal-murtashi wal-ra'ish. Rashi wal-murtashi. Allah, il interdit celui qui propose le pot de vin, celui qui l'accepte et l'intermédiaire entre les deux. Le mutawassit, yani baynahuma. Le prophète sallam, il a interdit ce genre de personnes. Il leur a dit, Allah, il les a maudits. S'il dit, t'es maudit par Allah, tu fais ce genre de... Je parle même pas encore d'autre chose. Il y en a, ils vendent les valeurs de leur religion pour des biens éphémères. Éphémères, hein. Bigharad min ad-dunya. Il y a des choses qui vaut même pas la peine, des choses qui vont disparaître tôt ou tard, qui vont périmer. Et donc, subhanallah, ces périodes de fitan vont exister. Et elles vont faire mal aux croyants. Très, très mal à sa foi. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallam, dans le hadith là qu'on vient d'apprendre? Il a dit, subhanallah, que tellement les troubles seront forts, ça y est, il n'arrivera plus à trouver un subterfuge dans la foi. Il va jeûner, ça va plus marcher. Il va faire des sadaqat pour repousser le mal, ça va plus trop fonctionner. Il va faire des qiyam al-layl pour s'isoler, ça va plus trop l'impacter. Et sachant que ça l'impactera, mais plus comme avant. Et là, dans ce cas de figure, il se dira, ben, il me reste quoi? Si j'attends juste la mort, Ya Rabbi, prends mon âme et c'est tout. Et ça, c'est une période, subhanallah al-kabir, qui est déjà arrivée et qui est en train d'encore arriver. Très difficile pour le croyant. Regardez. Là où tu vas, le croyant, il est pointé du doigt. Le musulman, il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de condamner les crimes qu'il y a chez les Ouïghours, ou les crimes qu'on fait aux Ouïghours. S'il parle, ben, il est sanctionné. Il n'a pas le droit de parler d'actualité politique en rapport avec sa religion. S'il parle, on fait l'amalgame entre le terrorisme et l'islam radical, etc. Il n'a pas le droit d'être dans les grandes instances de la Constitution, parce que c'est un musulman, il va imposer la charia. Il n'a plus le droit de faire sa prière même, Wallahu a'lam, si ça ne va pas être le cas, en tout cas, il n'aura plus le droit de faire sa prière, sa salat dans la mosquée pour des raisons caduques, une ampoule qui n'a pas été changée, etc. etc. C'est des périodes de troubles, ahibati. On nous ferme des mosquées, et si, et ça, c'est compliqué. La femme meskina, très courageuse, la femme musulmane, qui a le foulard, à n'importe quel moment, si elle n'habite pas dans une banlieue, elle se fait agresser. Si elle sort le soir, elle se fait agresser. Si elle n'est pas accompagnée d'un homme, elle se fait agresser. Si elle n'a pas, subhanallah al-azim, on va dire les bons repères de sa ville, elle se fait agresser. Les endroits où il faut passer, les endroits où il ne faut pas passer. Travail, eh ben, elle n'a pas sa place dans la société parce qu'elle porte le foulard, etc. Tout ça, c'est des périodes de troubles. Et ça encore, c'est des périodes de troubles du croyant relative à sa dunya. Je ne parle même pas pour son dîn. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vous donne le nom, je n'appelle pas au terrorisme ou à l'apologie au terrorisme, mais un mot tout simple. Aujourd'hui, pour que les gens ne commettent pas d'actes de terrorisme, il faut étudier les chapitres du jihad. Pour que les gens, ils savent c'est quoi qui est haram,
c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc., etc. Aujourd'hui, tu dis le mot jihad, ça y est. Macha, c'est bon. Oh, il a dit ça, t'as entendu, c'est devenu un crime. Mais c'est un chapitre de fiqh qu'on étudie. Comme le mariage, comme le talaq, comme le... Et il faut en parler. Pas en parler pour inciter les gens, mais pour que les gens connaissent les règles. Si maintenant les gens ne parlent pas des chapitres du jihad, du combat, c'est normal que tout le monde fait n'importe quoi. C'est normal que n'importe qui va aller se faire sauter dans telle et telle ville, dans quel et tel endroit, etc. Parce qu'il ne connaît pas les règles du combat. Il croit que c'est comme ça, c'est le cœur, c'est bon, ton frère il se fait torturer, ben faut y aller, c'est comme ça. C'est normal, Hibbati. C'est tout à fait normal. Ça, c'est des périodes de troubles. Donc aujourd'hui, on te dit, attention, tu ne dis pas Allahu Akbar, sinon tu vas être assigné à résidence. Ok, alors je dis quoi? Comme certains ont dit, France Akbar, Iyadam Billah. Non? Des contre-valeurs, tu vends ta religion pour des biens éphémères. Et ça, c'est des périodes de troubles. Et Ibn Hajar l'a dit quelque chose de très beau dans le Sharh. C'est ce que j'avais retenu comme étant de plus important. Vous savez ce qu'il a dit, Ibn Hajar? Il a dit فَيَتَمَنَّا أَهْوَنَ الْمُصِيبَتَيْنِ فِي اِعْتِقَادِهِ فَيَتَمَنَّا أَهْوَنَا الْمُصِيبَتَيْنِ فِي اِعْتِقَادِهِ المصيبة الأولى وشنو؟ مصيبة الموت. مصيبة الثانية وشنو؟ مصيبة الفتن. ثم هو لا يتمنى مصيبة الفتن على الموت بل يتمنى مصيبة الموت على مصيبة الفتنة. شكون هذه؟ متى جرت هذه؟ الناس يخافوا يفروا من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لكن في هذا الزمان يريدونه. Principalement, chers frères, les gens, ils fuient la mort, Allah, il le dit dans le Coran. Il a même rappelé aux gens qui le fuient, il a dit, « Dis, la mort que vous fuyez, tôt ou tard, elle va vous rattraper. »« Moulaqikum, tu le veuilles, wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. » C'est pas demain où est-ce que tu vas mourir. Moi, je viens de Strasbourg, balak je meurs à Bagneux. Ou balak je meurs en Allemagne. Ou balak je meurs en Amérique. Je sais pas. C'est Allah qui a qadar les... le mort, le hayat, etc. Et là, à ce moment-là, le croyant, uniquement spécifique au croyant, il souhaitera, il préférera mourir que de vivre dans ces périodes de fitna. Parce que mourir pour lui, c'est quoi? C'est plus léger que de vivre ces périodes de fitna. Donc vous voyez, en fait, c'est pas de la rigolade. En gros, le prophète sallam, il dit, la fitna sera tellement grande. Ce sera difficile de s'accrocher à sa foi. Taban, ce qui soutient l'explication de ce hadith, c'est un autre hadith également. Le prophète sallam dit qu'aqabid al-jamra. Il dit ce sera tellement difficile aux croyants de s'accrocher à sa religion, et il a dit qu'aqabid al-jamra, comme celui qui tient une brèche chaude dans sa main. Yak, c'est dur, tu tiens une brèche chaude, tu la jettes. Et ben, celui qui s'accroche à sa religion, c'est comme s'il tient une brèche chaude dans la main. C'est une métaphore pour dire voilà. Ça va être dur, ça va être chaud, au sens propre du terme, et il faudra s'accrocher. Et celui-là, il aura la meilleure des récompenses auprès d'Allah Azza wa Jalla, le patient. Et le prophète, vous savez qu'est-ce qu'il a dit sur ce genre de personnes? Des gens qui ont cru au prophète, qui résistent à ces fitnes, à ces périodes de troubles, il a dit, mes frères me manquent. Ils ont dit, les compagnons ne sont pas tes frères, ya Rasulallah. Il a dit, si, vous êtes mes frères. Mais plutôt, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui auront cru en moi et qui ne m'auront pas vu. Dans un autre hadith, il a dit, en parlant de nous, il a dit, de notre époque, ou de l'époque, en tout cas après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme parmi nous vaudra 50 hommes parmi vous. Il parlait des compagnons. Vous imaginez? Par rapport à quoi? Les ulama, ils ont dit. Ils ont dit par rapport du fait qu'ils n'ont pas vu le prophète et malgré ça ils s'accrochent à leur religion. Alors que vous, vous avez vu, vous m'avez vu, vous avez vécu avec moi, c'est plus facile. C'est pas par rapport au statut auprès d'Allah. C'est par rapport à la valeur du degré d'épreuve. Wallahu a'lam. Donc ce hadith, il indique une forte influence de la fitna qu'il y aura à ce moment-là. Al-Hakim,
Il a rapporté un hadith selon Abi Salama, radiallahu anhu, dans lequel il dit « Uttu Abu Huraira ». J'ai rendu visite à Abu Huraira, radiallahu anhu. « Fakultu, Allahumma shfi Abu Huraira ». Vous suivez jusqu'à là? Abi Salama, il a rendu visite à qui? Abu Huraira. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Huraira? Il lui a dit, parce qu'il était malade, Abu Huraira. Il avait Abu Huraira, il a dit « Ya Allah, guéris Abu Huraira ». Vous savez ce qu'il lui a dit à Abu Huraira? Il a dit « La tarji'ha ». Je ne sais pas si on peut dire ça. En gros, il a fait une contre-dua. En gros, qu'Allah ne me guérit pas. Pourquoi il a dit ça? Et il lui a rétorqué tout de suite à Abu Huraira. Il lui a dit « Inistata'ta ya Aba Salama famut ». Si tu peux, ya Abu Salama, meurs. Bien sûr, il n'a pas dit « Suscite-toi ». On sera bien d'accord. En gros, si tu peux, ça veut dire « Fais des dua pour ». والذي نفسي بيده لياتين على العلماء زمان الموت احب الى احدهم من ذهب الاحمر او من الذهب الاحمر عفوا ولا ياتين احدهم قبر اخيه فيقول ليتني مكانه ابو هريره il a dit يا ابا سلمة que tu meurs si tu peux faire en sorte de mourir fais-le. Bien sûr, il a pas dit en gros suicide toi, mais il a dit fais des dua pour qu'Allah recueille ton âme le plus vite. Pourquoi? Il a dit, par celui qui détient son âme dans ma main, la ya'tiyanna ala al-ulama, viendra un temps pour les savants, zaman ou l'maut, que de mourir sera plus préférable pour l'un d'entre eux que l'or rouge. À l'époque, l'or rouge, c'était la valeur la plus chère. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. C'est quoi, 21 carats, c'est ça? L'or rouge. Et il a dit, elle viendra aux savants une période de mort qui sera plus préférable que l'or rouge. Et il a dit, au point où l'un d'entre eux ira près de la tombe, regardera et contemplera la tombe et dira, si seulement j'étais à ta place. Abu Huraira a dit ça. À son époque. Et... Dans le kitab, il fit un... من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه أو رأسه نعم فيقول يا ليتني مكان هذا. Il a dit peu de temps faut-il أن تمر الجنازة où il y aura un cortège funèbre qui passera près du marché, les gens se retourneront, ou la personne se retournera vers le cortège funèbre et dira « Ah, si seulement j'étais à sa place. » Ça, c'est Abu Dhar qui a dit ça. Il a dit, il y aura des gens, ils vont voir « Ah, il y a une janaza là-bas, tout le monde court là-bas pour l'enterrer. »« Ah, si seulement j'étais à sa place. » Donc on voit que c'est des contre-valeurs. À la base, les gens, ils fuient la mort, mais là, le croyant, il voudra se rapprocher d'Allah, tellement qu'il ne saura pas où se réfugier à cause des fitnas. Il va dans un pays musulman, il constate que c'est pire. Il va dans un pays non musulman, il constate que c'est pareil. Il va dans un autre pays, ça y est, miskin, sa foi, il n'arrive plus à la vivre. Il a marrahim Allah. Là où il y va, miskin, il est mahsour. Il est bloqué. Et c'est pas fini. Fayaqulu ya laytani makanaha, qultu. Et Abdullah ibn Samit, il dit à Abu Dhar, je lui ai dit alors, ya Abu Dhar, inna dhalika la min amrin azim. Il a dit, mais alors ce sera quelque chose de grand alors. Ce sera une affaire trop sérieuse en fait. Et Abu Dhar l'a dit, effectivement, il y a Abdullah, il a dit, effectivement. Wallahi ahibati. Allah tabarak wa ta'ala, il relate indirectement ce hadith dans le Coran. Et il a appelé ce phénomène-là de se souhaiter la mort en deux appellations distinctes dans le Coran. La première, il l'a appelé Al-Faza'ul Akbar. La deuxième, il l'a appelé Musibatul Maut. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, La yahzunuhumul faza'ul akbar. Wa tatalaqahumul malaika al-aya. Et il l'a appelé Musibatul Maut. Allah dit, Fa asabakum Musibatul Maut. Surat al-Ma'ida. Musibatul Maut, c'est-à-dire le malheur de la mort. Hein? Et l'autre, c'est quoi? Al-faza'ul akbar.
le grand tremblement, le faza, ou le grand effroi, l'akbar, le fait de se souhaiter la mort, il l'appelait comme ça Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, parce que tout le monde a peur de cela. Bien sûr que cet espoir de vouloir mourir ne rentre pas dans le cadre où la personne espère rencontrer Allah. هذا ليس من باب التدين والتقرب إلى الله تعالى وحبا في لقائه. Hadith n'indique pas que la personne aimera rencontrer Allah. C'est pour ça qu'elle va souhaiter la mort parce qu'elle sera pressée de rencontrer Allah. Non, parce qu'elle n'aura pas le choix pour éviter la fitna. En fait, elle sera bloquée entre deux. Elle a peur de rencontrer Allah à cause de ses péchés, mais elle voit qu'il y a... En fait, elle est assise entre deux chaises, la personne. L'autre côté, elle a peur d'Allah, de rencontrer avec ses péchés, et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, eh ben, la peur de tomber dans la fitna ce jour-là. Abdullah ibn Mas'ud disait « Sayati alaykum zamanun law wajada ahadukum » Al-Mawta yuba'u l'ashtarah. Abdullah ibn Mas'ud disait, viendra un temps, hein, à vous, viendra un temps qui viendra, à vous, où si quelqu'un pouvait acheter la mort, il l'aurait acheté. Ou il l'achèterait. Tellement qu'il se souhaitera la mort. C'est Abdullah ibn Mas'ud, il a dit ça. طيب, la question qui reste à se poser. هل يجوز أن نتمنى الموت؟ Est-il permis de se souhaiter la mort؟ في الأحاديث السالفة إشارة إلى جواز تمنى الموت خوفا على الدين. إذا كان خوفا على الدين ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه أو ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا لا ينافي هذا الحديث, لا ينافيه. لماذا؟ خوفا على الدين, يعني يهرب, ففروا إلى الله. طيب خلاص الفتنة وصلت إلى بيتي, وصلت إلى ذهني, إلى نفسي, إلى قلبي, فإذا أسأل الله تعالى أن يميتني إن كان خيرا لي وأن يبقيني إن كان يعني هذا الشيء خيرا لي أيضا. Donc est-il permis de se souhaiter la mort? La réponse, dans les hadiths que vous avez entendus précédemment, il en résulte qu'il est autorisé de faire une invocation pour se souhaiter la mort sous deux conditions. La première, si c'est parce qu'on a peur des tentations et des fitnas, et que les fitnas, on n'a plus de subterfuge, on n'a plus de refuge pour s'en préserver, comme c'est le cas dans le hadith qu'on a étudié. La deuxième, que la dua soit faite comme suit, comme le prophète sallam il a conseillé le compagnon, il a dit que l'un d'entre vous ne se souhaite pas la mort à cause d'un malheur qui l'a frappé, mais s'il doit le faire, en d'autres termes, alors qu'il dise, s'il doit faire, ça veut dire quoi ici? C'est une porte qui est ouverte, que le prophète sallam nous ouvre pour dire, voilà, si maintenant c'est trop pour vous, parce que votre religion, vous n'arrivez pas à vous accrocher, alors dites cette dua. « Oh Allah, laisse-moi en vie, madame atil hayat khayran li, tant que la vie est un bien pour moi. Et recueille mon âme, si la vie est un mal pour moi. » Oh, afwan, recueille mon âme, na'am, si la vie est un mal pour moi. Et si la mort m'est plus préférable. Non. Donc le prophète sallam, il est interdit de, en d'autres termes, faire ce genre de dua, est autorisé dans le cas qu'on a cité. Mais dans le cas, parce qu'il a une épreuve dans la famille, une épreuve dans son être, une épreuve auprès de ses enfants, dans quelque chose de dunyawi, de mondain, yani, il n'a pas le droit de se souhaiter la mort. Taïb, certains diront, alors pourquoi Maryam elle a dit, « Ya laytani mittu qabla hadha, wa kuntu » Nessiem Mansiya. Maryam alayhi salam, elle a dit, malheur à moi, si seulement j'étais mort avant cela. Ya laytani mittu qabla hadha. Hadha laysa dua. C'est pas une dua ça.
Et il y a l'étanimit tout qabla hadha, c'est ce qu'on peut appeler, c'est une formulation qu'elle a faite pour décrire son mal. Mais ce n'était pas quelque chose qu'elle voulait. En d'autres termes, elle est en train de dire que ce qui m'arrive, c'est pire que la mort. Vous voyez ? Chez les Arabes, c'est connu dans la balara, dans la rhétorique. Naam. L'imam Nawawi l'a dit, « La karaha fi dhalika bal fa'alahu khala'iq min as-salaf » Il a dit, il n'y a aucun mal à faire ce genre de dua et de se souhaiter la mort pour la cause qu'on a citée. Si c'est un bien pour nous, avec les deux conditions. Il a dit parce que certains pieux l'ont fait, tels que Omar ibn al-Khattab, Omar ibn Abdelaziz et d'autres. Qu'Allah les agrée. L'imam al-Qurtubi, il a dit, « Ka'anna fil hadithi ishara ila anna al-fitana wal-mashaqata al-baligha sataqa'u hatta yakhaf amru al-din ou yakhifu amru al-din » ويقل الاعتناء بأمره ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بدنياه ومعاشه ونفسه وما يتعلق به ومن ثم عظم قدر العبادة ويؤخذ من قوله حتى يمر الرجل بقبر الرجل. Donc ici, ce que l'imam al-Qurtubi l'a dit dans le hadith, c'est une indication, إشارة إلى أن الفتن والمشقة, que la fitna, le trouble, la zizanie et les difficultés ce jour-là, eh ben, vont venir s'accaparer de l'affaire de la religiosité de la personne, hein, et que les gens ne seront plus trop attentifs à l'i'tina ou bi amrihi, aux ordres d'Allah Azza wa Jal, et que, subhanallah, ils seront concentrés par les choses de la dunya, etc., etc., etc. Et là, bien sûr, la ibada aura encore beaucoup plus de valeur auprès d'Allah que si ça avait été une ibada. Vous savez qu'une ibada pendant une période de fitna, elle est plus récompensée qu'une ibada en dehors d'une période de fitna. Vous savez ça? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un hadith, il a dit « As-sabru inda al-haraj ka hijratin ilay » Il a dit « Patienter dans une période de trouble, c'est comme faire une hijra vers moi. » Quand tu patientes dans une période de trouble, tchid, l'iman ou kulchi, tu maintiens ta foi, c'est comme si tu as fait une hijra vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire dans la sunna. Donc on voit qu'en réalité, ce n'est pas aussi simple les questions jurisprudentielles. Une personne, masha'Allah, qui passant dans les périodes de trouble et qui résiste et s'accroche à sa foi, elle a plus de valeur qu'une personne qui fuit la période de trouble auprès d'Allah. À condition qu'elle s'accroche vraiment, pas qu'elle mène son âme à la perdition. Naam. Wallahu ta'ala alam. Des questions ? Ah, on vit en plein milieu, effectivement. C'est ça. Sallallahu alayhi wa sallam. حَتَّى تَقَعُوا الْفِتَنْ فِي بُيُوتِكُمْ. صحيح 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 صلى الله العفو والعافية في الدارين يا رب. C'est tout ce qu'on demande, والله, la meilleure dua. Des questions par rapport au cours? طيب نختم.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجد علينا بفضلك إنك أنت الجواد الكريم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وتوفنا مسلمين اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن كلها يا رب العالمين اللهم أعنا في أمورنا كلها وزدنا علما نافعا إنك أنت العليم الحكيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين